Les pointes sont les parties les plus vieilles de nos cheveux. Ce sont les parties qui ont subi le plus de manipulations. Et quand je parle de manipulation, je parle de tout ce qui est coiffage, brossage, même le simple fait de peigner ses cheveux, d'avoir les mains dans les cheveux, on ne s'en rend pas compte, mais c'est de la manipulation. Et l'utilisation des appareils chauffants, le fer à lisser, le sèche-cheveux, voilà. Toutes ces pratiques-là ont tendance à abîmer les cheveux avec le temps. Cette partie que vous voyez là en ce moment à ce niveau-là, c'est une partie qui était ici avant. Et donc le temps que ça a pris pour arriver à ce niveau-là, c'est des années. Et durant toutes ces années-là, ces parties ont subi toutes ces manipulations. Donc justement à cause de toutes les manipulations que les pointes subissent, elles vont finir par s'abîmer à un moment ou à un autre. Donc même si on apporte une attention particulière aux pointes de ses cheveux, on peut retarder l'apparition des fourches, des nœuds et tout ça. Mais un jour ou l'autre, les pointes vont arriver à ce stade de non-retour. Et quand c'est le cas, il n'y a pas d'autre choix que de les couper. Si vous avez des pointes abîmées que vous laissez pendant une longue période de temps, ça va finir par rendre vos cheveux difficiles à démêler, difficiles à coiffer, mais surtout, ça va occasionner de la casse. Ce qu'on veut absolument éviter si on veut avoir de la longueur, si on veut avoir des cheveux en bonne santé et tout. Donc, même si on a peur de se couper les pointes parce qu'on veut conserver sa longueur, il faut se rappeler qu'il vaut mieux avoir les cheveux en bonne santé que des cheveux qui sont longs mais en mauvais état. Quand on y pense, couper ses pointes, ça permet de garder ses cheveux en bonne santé. C'est ce qu'il faut retenir. Je suis comme vous, les filles. Je cherche à avoir de la longueur. Je trouve parfois que j'ai du mal à retenir de la longueur. Donc, j'ai du mal. Mais il faut vraiment changer la manière de voir. C'est que. Après avoir expérimenté ça justement, après avoir gardé des pointes abîmées pendant plus d'une année, je sais maintenant que c'est super important et que ça affecte vraiment la santé des cheveux. Donc je vous invite vraiment à voir les choses de cette manière-là. Les professionnels recommandent de se faire couper les pointes tous les 3 à 4 mois. Cette fréquence ne convient pas à tout le monde et beaucoup de personnes comme moi à l'époque trouvent que c'est un peu trop rapproché. Même si vous trouvez que vous ne pouvez pas le faire tous les 3 mois par exemple, il faut tout de même que vous incorporiez la coupe de vos pointes à votre routine capillaire. Donc ça doit être quelque chose que vous faites assez régulièrement. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est adapter la fréquence de coupe en fonction de l'état de vos cheveux. Il faut savoir qu'il y a différents facteurs qui ont tendance à abîmer les pointes, certains plus que d'autres. Voilà. Ces facteurs-là peuvent influer, donc ils peuvent avoir un impact sur la fréquence à laquelle on va se couper les pointes. Donc on a par exemple le fait de faire des colorations chimiques ou de se défriser les cheveux. Ça, c'est quelque chose qui abîme vraiment les cheveux. Donc une personne qui a fait par exemple une coloration chimique ou qui se défrise les cheveux régulièrement aura besoin de se couper les pointes un peu plus souvent qu'une personne qui ne le fait pas. Un autre facteur, ça va être l'utilisation fréquente et régulière des appareils chauffants tels que le fer à lisser ou encore le sèche-cheveux à haute température. Donc voilà, si c'est quelque chose que vous faites beaucoup, vous aurez besoin de vous couper les pointes un peu plus souvent. Un autre facteur, c'est le fait de ne pas prendre soin de ses cheveux, tout simplement. Les cheveux, il faut en prendre soin. Si on n'en prend pas soin, ils perdent leur santé, si je peux le dire comme ça. Et donc forcément, on aura besoin de se couper les pointes un peu plus souvent. Par exemple, la manipulation excessive et régulière. Donc si vous avez tendance à toujours vouloir avoir les mains dans vos cheveux, vous coiffer tous les jours, pratiquement tout le temps changer de coiffure, tout le temps en train de brosser, peigner les cheveux. Un autre facteur, c'est le fait de ne pas protéger ses pointes. Donc quand on commence à avoir une longueur un peu conséquente, comme par exemple quand les cheveux touchent les épaules comme ça, et qu'on prend l'habitude de les porter lâchés tout le temps avec les vêtements en coton, à la longue, les frictions que ça va causer là, ça va créer des fourches et créer des nœuds, tout ça. Également, le fait d'aller dormir sans se protéger les pointes, voilà, tout ça peut avoir un impact. Plus on est négligente sur ces facteurs et qu'on ne prend pas soin de ses cheveux en conséquence, plus on aura besoin de se couper les pointes un peu plus souvent. Il n'y a pas de réponse universelle qui convient à tout le monde. Tous les cheveux sont différents et voilà, il y a certains cheveux qui sont plus forts et d'autres plus faibles que d'autres. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez un conseil, on vous dit coupez-vous les pointes tous les 3 mois. Mais en fin de compte, c'est à vous de faire en fonction de l'état de vos cheveux et tout en gardant en tête que si vous attendez trop longtemps, vos pointes abîmées risquent d'affecter la santé de vos cheveux. Quand on garde des pointes abîmées pendant longtemps,
ça remonte, ça remonte, ça remonte. C'est pas tellement que ça remonte, c'est pas la meilleure explication, mais pour le dire de manière assez simple et tout, c'est ça, c'est que en quelque sorte ça remonte. Et donc le jour où on décide de couper, on coupe beaucoup plus. Je vais vous parler de 7 signes qui peuvent vous indiquer qu'il est temps de vous couper les pointes. Après avoir passé plus d'une année sans me couper les pointes, je peux vous dire que j'ai expérimenté chacun de ces signes-là et à un moment, certains se sont même aggravés. C'est pas forcément dans un ordre, hein, c'est juste, je vous cite comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, dès que vous voyez un signe, ça ne veut pas dire forcément que c'est le moment de se couper les pointes. Parce que si c'est le cas, je pense qu'on va se couper les pointes peut-être chaque mois. Dites-vous que si vous voyez au moins 3 de ces signes-là, ça veut dire qu'il est probablement temps de vous couper les pointes. Mais si vous connaissez vos cheveux, ça va venir naturellement. Le premier signe, c'est les cheveux qui s'affinent au niveau des pointes. L'affinement au niveau des pointes, c'est probablement le signe de pointe abîmée le plus connu. C'est plus facile de voir ce signe-là sur les cheveux lisses. Et c'est la raison pour laquelle certaines naturelles ont tendance à se couper les pointes lorsqu'elles se lissent les cheveux. Mais bon, on peut également constater l'affinement des pointes dans l'état naturel de nos cheveux crépus, frisés, bouclés, si on fait un peu plus attention. En général, le fait de faire des vanilles, donc des twists de taille moyenne, c'est un bon moyen de détecter si on a les pointes qui s'affinent un peu. Lorsqu'on réalise des vanilles sur des cheveux dont les pointes sont abîmées, on peut constater que les cheveux sont beaucoup moins épais et plus fins à la fin de la vanille comparé à la racine et au reste de la longueur. Donc vous pouvez le voir sur la vidéo que je vous montre. Le deuxième signe, c'est des pointes fourchues et dures. Les pointes fourchues sont facilement visibles. Elles peuvent se présenter sur plusieurs formes, comme vous pouvez le voir sur l'image. Mais la forme la plus commune, c'est lorsque la mèche de cheveux se dédouble et lorsqu'il y a des nœuds individuels qui commencent à se former sur les pointes. Donc ça, c'est plus commun pour nous qui avons les cheveux avec des boucles. Si vous remarquez que vos pointes ont l'une ou plusieurs des formes présentées, et surtout, et ça c'est le plus important, si vos pointes sont dures au toucher, pendant que vos racines et la majeure partie de la longueur de vos cheveux sont douces, c'est probablement parce qu'il est temps de vous couper les pointes. Un autre signe, c'est qu'on va voir apparaître beaucoup de nœuds, surtout au niveau des pointes. Les nœuds ont tendance à se former parce que les cheveux crépus, frisés, bouclés ont tendance à s'enrouler sur eux-mêmes. C'est dans leur nature. Bien que ce soit un phénomène qui est normal, lorsqu'on commence à avoir trop de nœuds, ça devient problématique parce que ça peut nous rendre la vie difficile. Sans oublier que ça finit par occasionner beaucoup de casses. Je vous donne un exemple flagrant que j'avais récemment constaté sur mes cheveux. Avant de me couper les pointes. J'avais fait des vanilles dans le but de les défaire pour avoir un twist out. Et donc j'avais bien démêlé, hydraté mes cheveux avant de faire mes vanilles. J'avais même appliqué du beurre de karité sur mes pointes pour que les mèches se séparent facilement. Ce qui a tendance à bien marcher sur mes cheveux. Quand j'applique du beurre de karité sur mes pointes en faisant un twist out ou un braid out, peu importe. Après quand je défais, tout se défait facilement, j'ai pas de problème. Mais pourtant, au moment de défaire mes vanilles, j'avais remarqué que mes cheveux se séparaient facilement au niveau des racines, mais il y avait toujours un blocage au niveau des pointes. Et en regardant de près, j'ai vu que c'était parce que j'avais plein de nœuds individuels qui s'accrochaient entre eux, en fait. Et ça empêchait les brins de cheveux, même les brins de cheveux sur lesquels il n'y avait pas de nœuds, ça les empêchait de se détacher, en fait. Donc ça, voilà, c'est un exemple. Il faut dire que quand vous commencez à avoir des choses comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème, quoi. Et il faut faire quelque chose. Un autre signe, c'est que le démêlage devient plus difficile et prend soudainement plus de temps qu'avant. Lorsqu'on a l'habitude de prendre soin de ses cheveux, on commence à les connaître. Et on sait à peu près combien de temps on prend en moyenne pour en prendre soin. Vous savez que le démêlage, c'est une étape indispensable dans la routine capillaire de quelqu'un qui a les cheveux crépus, frisés et bouclés. Si vous remarquez que le processus de démêlage commence à prendre beaucoup plus de temps que d'habitude et que vos cheveux s'en mêlent plus facilement et rapidement qu'avant, même lorsqu'ils sont hydratés, c'est probablement parce que vos pointes sont abîmées et que vous avez besoin de les couper. Prenons mon cas comme exemple encore une fois. Le démêlage me prenait environ 1h30 à 2h maximum avec la longueur que j'ai en ce moment. Et il y a environ 2 à 3 mois, j'ai remarqué que je pouvais rester jusqu'à 3h de temps en train de me démêler les cheveux. Alors que je n'avais rien changé dans ma manière de faire. Je procédais toujours de la même manière, hein, c'est-à-dire démêlage au doigt,
avant de passer avec un peigne ou une brosse. Et voilà, c'était flagrant quoi. Avant, je pouvais mettre un film de 1 heure, environ 1h30. Je finissais de me démêler les cheveux. Mais là, il me fallait vraiment 2 films, par exemple, de 1h30 ou un film de 3 heures, je sais pas, 2h30, voilà. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me dire, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'était déjà un signe annonciateur, on va dire, et que j'ai ignoré pendant plusieurs mois. Jusqu'à ce que je remarque que mes cheveux s'en mêlaient beaucoup au niveau des pointes, même lorsqu'ils étaient bien hydratés. Ça, c'est pas normal du tout. Quand les cheveux sont bien hydratés, OK, le cheveu peut s'enrouler sur lui-même, mais un cheveu bien hydraté va pas aller se mélanger avec d'autres cheveux là-bas pour créer des gros tas de nœuds. Ça, c'est pas normal. Si vous voyez ça, c'est probablement parce que vous avez des pointes abîmées que vous devez couper. Un autre signe, c'est que les cheveux se cassent énormément ou beaucoup plus que d'habitude. Alors ça, c'est une conséquence directe des points que j'ai mentionnés précédemment. Plus on a de nœuds ou de fourches, plus le démêlage deviendra difficile et plus les cheveux vont se casser. Un autre signe, c'est la perte de définition au niveau des boucles. Si vous avez l'habitude de faire des wash and go ou encore des twist out, vous remarquerez que lorsque vos pointes sont abîmées, les boucles ne seront pas aussi bien définies que d'habitude. Il y aura beaucoup plus de frisottis au niveau des pointes. Ce sera surtout dans le cas des twist out et tout. Vous allez voir que les pointes ne vont pas prendre les plis. Pour les wash and go, moi j'ai vraiment remarqué ça parce qu'il y avait comme quelque chose qui pesait en fait sur mes boucles. Donc ça faisait que mes boucles ne remontaient pas bien. C'était pas bien rebondi. Un autre signe, c'est que le volume est différent et on peut avoir l'impression d'avoir les cheveux plats. Plus les cheveux crépus, frisés, bouclés gagnent en longueur, plus ils gagnent en volume en fait. Mais lorsqu'on a des pointes abîmées, on peut avoir l'impression que le volume de ses cheveux est un peu différent et que les cheveux sont plats. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui peuvent avoir un impact sur le volume des cheveux. C'est pas forcément le signe le plus précis, on va dire. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté, que j'ai remarqué sur mes cheveux. Un autre, c'est pas vraiment un signe, mais je veux dire, si vous vous rappelez pas de la dernière fois que vous vous êtes coupé les pointes, c'est que vous avez probablement besoin de vous couper les pointes. Si vous avez l'habitude de vous occuper de vos cheveux depuis un moment, naturellement, vous saurez comment ils réagissent par rapport à certains produits ou certaines pratiques que vous avez. Alors, si quelque chose ne va pas ou si vos cheveux commencent à réagir bizarrement, vous allez le remarquer. Peut-être pas toujours du premier coup, mais vous allez le remarquer à un moment ou à un autre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous remarquez que voilà, il y a ces petits signes-là, ne fermez pas les yeux, allez vous couper les pointes, je vous assure les filles, vos cheveux vont vous remercier. Déterminez une fréquence. Dites-vous par exemple que vous pouvez le faire si tous les 3 mois c'est pas possible pour vous. Vous pouvez vous dire tous les 5 mois ou tous les 6 mois. Et en fonction de ça, voilà, vous avancez comme ça, vous voyez comment vos cheveux sont. S'il y a des moments où vous faites des choses qui abîment un peu plus vos cheveux, vous allez sentir que vous aurez besoin de couper les pointes. N'hésitez pas à le faire. C'est pas parce qu'on dit tous les 6 mois que si après 3 mois on voit que déjà que ces pointes sont bizarres, on a plusieurs des signes que j'ai mentionnés là. Faut pas hésiter à se couper les pointes, c'est mieux quoi, c'est mieux comme ça. Sinon, vous allez vous retrouver comme moi à couper près de 10 cm de longueur. C'est pratiquement une année de pouce quoi, donc c'est vraiment vraiment important. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut pour m'encourager. Si vous pensez que c'est informatif, n'hésitez pas à partager pour faire profiter d'autres personnes. Dites-moi en commentaire à quelle fréquence vous vous coupez les pointes. Et est-ce que vous avez déjà passé une longue période de temps? Quelle est la plus longue période de temps que vous avez passé sans vous couper les pointes? Laissez-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à partager, voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Bye!